Simple formalité du monde judiciaire, dans la foi, jusqu'où peut tenir notre témoignage? Le témoin est, selon le sens biblique, celui qui publiquement atteste que ce qu'il a vu et entendu est vrai. Il l'atteste sur son honneur en s'engageant. Sa parole est si importante qu'il va devant tous mettre sa vie en jeu. En d'autres termes, le témoin nous dit « Ce que je crois, ce que j'ai vu et entendu, tout cela est tellement important que je suis prêt à donner ma vie pour vous assurer que ce dont je témoigne est vrai. » D'ailleurs, le mot « témoin » chez les premiers chrétiens va prendre une signification particulière. En grec, il est traduit par « martyr », ce qui indique bien jusqu'où le témoin est prêt à aller. Le témoin désigne le disciple du Christ qui est prêt à suivre le même chemin que Jésus pour témoigner de sa fidélité et de la vérité de sa foi. Être martyr ou témoin, c'est exprimer par sa parole et par sa vie que la foi au Christ a plus de prix qu'une vie confortable. Dans certaines parties du monde, des chrétiens nous le montrent encore aujourd'hui.